Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Je sais pas trop ce qu'ils ont, on va les refaire dormir parce que là ça va pas. Où est là, ils dorment, tout va bien, ça, les ordures, ça, la poubelle. Alors la maison est oui, effectivement un peu plus vide que le... De plus en plus vide, va-t-on dire, mais... Puisque on a Frida, ok, Frida... Garance et Igor qui nous ont quittés. Qui nous ont quittés juste dans le sens où, effectivement, juste ils sont plus à la maison. Hein. Par contre, c'est Cybèle qui nous a quittés pour de bon, qui est maintenant morte et enterrée. Et qui ne reviendra plus jamais. Alors que nos frères et sœurs seront parents. Ils le sont déjà peut-être. Et on a Loki, notre petit Loki, qui lui va pas tarder non plus à claquer. Un petit Loki, il est devenu tout vieux. Et... Voilà. Donc à mon avis, ça ne va pas long tarder non plus. Hein. On a notre ID national qui... Ah bah là oui, d'accord. Qui va mettre bientôt bas pour la nouvelle portée des Ugly. D'ailleurs, je vais mettre le petit berceau. Ah bah oui, très bien. Le petit berceau. On va mettre... En jaune parce qu'on sait pas à quoi on aura affaire pour le genre du monstre. Toi, je suis sûre que je pourrais pas te bouger. Ouais, c'est ça. Bon, bah, non, mais j'ai rien dit. Je ne bouge rien. Je n'ai pas activé le bébé move object. Ah, ouais, peut-être que je vire. Mais non, c'est parce que je voulais faire le nounours là. Et de toute façon, je pense qu'on aura un deuxième. Voilà, hein. Bah, je vais peut-être juste changer la couleur. Voilà, vert. Parce qu'on sait pas ce qu'on va avoir. Ce sera la surprise à la livraison des colis. Et il faudra aussi qu'on veille au grain. Parce que Harold, voir si sa copine est en cloque ou pas. Louise, sa copine. Elle déteste ses enfants. C'est ça qui est sympa. Alors, au niveau de l'arbre généalogique, nous voilà. Nous avons Mila Munch qui était là, la maman. Qui est l'arrière-grand-mère de tout ce petit monde. Qui était donc la maman de Gunther. Gunther. Oh là, ah oui, c'est pas mal ça. Gunther, qui avait des frères. Et Gunther, il a eu... Bah, pourquoi il... Ah oui, non, il est... Je veux dire, il a pas eu que trois enfants. Mais si, il a eu que trois enfants. Parce qu'il y en a deux autres qui sont... qui n'étaient pas de lui. Donc Gunther, il a eu trois enfants. Daria, Enguerrand et Cybèle. Cybèle a eu cinq enfants. Heidi a déjà deux enfants, Samuel et Eric, qui sont des petits garçons plutôt bruns, comme leur père. Garance a eu Hélène et Marc, qui sont... Attendez, il y a deux Marc. Ah non, j'ai cru. Qui sont donc les enfants qu'elle a eu avec... Ah ben, on sait pas. Ah si, il faut cliquer... Ouh là là, ça commence à devenir compliqué, cet arbre généalogique. Avec, comment elle s'appelle? Laura. Voilà. Ici, on voit Louis. Louis qui avait ses parents. Qui a eu ses cinq enfants. Lucie Gérard. Ah oui, non. Mégouré, Lucie. Qu'est-ce que... Heidi. Heidi, on y est là. On voit Lorelai. Alors, voilà, voilà, c'est ça. Ça, c'est complet, c'est Lorelai. La branche Lorelai, la branche Ugly qui nous intéresse. Notre fondatrice, ses cinq enfants... On voit qu'il n'y a que Adélaïde qui a eu des enfants en dehors de Cybèle. Les autres sont morts dans une tristesse infinie, seuls et abandonnés. Tout à fait. On a Fauve qui est devenue vieille. Frédéric et Lisa. On a Heidi qui va bientôt mettre bas. Nous avons Garance qui donc est donc avec ses enfants. Igor qui n'a pas encore accouché. Je retourne sur... Ouais. Fiu. Igor qui n'a pas... Harold qui, justement, on va voir si sa copine elle est enceinte ou pas. Et Frida, donc il avait déjà accouché de ça. Voilà, parce qu'on m'a demandé de montrer l'arbre généalogique, donc j'espère que ça vous intéresse et que vous vous y retrouvez un peu plus. Effectivement, ce sera encore plus intéressant quand c'est... Bon, après, ils auront grandi, eux, ils vont pas se caser, malheureusement, parce que le jeu des Sims 4 ne...
n'enregistre, ne fait pas les mariages et les enfants automatiquement. Ils ont installé des nouvelles familles avec enfants, mais il n'y aura pas de, voilà, il y aura pas de bébés, ils vont pas faire des bébés quoi. Ça, je trouve ça très dommage. Ça, ils devraient le faire plus souvent. Ben, il y a de générer des que, par exemple, elle là, Hélène, elle puisse se mettre en couple avec quelqu'un et elle a un enfant avec. Moi, ça me paraît très logique. Dans les Sims 3, des fois, ça le faisait, mais dans les Sims 4, ça le fait pas. Donc, c'est un peu dommage, parce qu'on peut même pas suivre de loin un arbre généalogique. Enfin, à moins que ce soit moi qui marie et qui fasse faire des enfants et tout, mais voilà. Après, si vous voulez que je fasse, pas avec mettre enceinte et tout, hein, non, je fais juste un croisement avec dans gérer les mondes avec. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais faire un petit enfant, un machin, un truc. Vous me dites si vous voulez voir un peu grandir cette génération-là, avoir aussi qu'ils se reproduisent aussi de leur côté. N'hésitez pas à me le dire, et puis je le ferai, quoi. Voilà, en tout cas, pour l'arbre généalogique Ugly. Et on ne sait donc pas encore pour Igor et pour Harold et sa copine Louise. Alors, mon beau gosse. Quel beau gosse! Tu vas appeler ta copine. Invite-la. On va voir si elle a quelque chose comme des nausées et compagnie, là. Oh, le chien, il bouffe à une vitesse. Et on va te faire aussi avoir un job, parce que je t'ai pas fait préparer 5 repas excellents, préparer 2 repas en étant inspiré. Ah, il se parle à lui-même, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait? Mais oui. C'est comme ça, hein, c'est un rôle dans ces. Donc, du coup, plutôt dans la cuisine. Ouais, grand chef. Bah écoute, ouais, tu vas chercher un taf, mon beau. Si belle. Si belle. Oh là là. Tu vas faire donc de cuisine, 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 cuisine. Culinaire. Voilà, assistant à la vaisselle, c'est ça, hein. Ah, elle n'a pas l'air d'être en bon état, cette demoiselle. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Heidi? Heidi, tu veux bien que tu bosses? Reprendre l'écriture, voilà. Parce que là, on va avoir besoin de d'avoir des thunes, vu que Cybèle n'est plus là pour nous filer comment dire, un revenu journalier. Même si ça baissait de plus en plus. On a quand même des factures de 3 000, je crois, un truc comme ça, donc ça va vite partir. Tu vas embrasser les mains. Elle est triste. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que t'en. Tu veux. Est-ce qu'elle est peut-être enceinte et que ça la rend triste? Demander de vivre ensemble. Pas encore, pas encore. Essayez de réconforter. Voilà. Bon, pour l'instant, moi, je vois pas de bidon. Donc ça, si elle a la gerbe, on saura pas. Ah bah, elle est heureuse maintenant. Mais qu'elle est bête. Rib, Elle est enjôleuse, hein, la coquine. Je pense qu'elle a un peu envie de toi, mon petit Harold, demander en mariage. Ouh. Vadiche. C'est une coquine, hein. Oui, alors moi je regarde dans l'amicale pour faire crac-crac, bien sûr, je vais pas trouver comme ça. Hop, un petit bébé dans le bain à remous, c'est pas comme si on avait déjà essayé, je pense, la dernière fois. Allez! Toi, tu dois pas aller taffer? Mercredi, oui, si, je crois. Ah ben oui, il travaille dans 2 heures. Ah ben c'est parfait. Humeur concentrée, il doit être. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être concentré? Tu vas peut-être aller rapidement. Oula. Aller ici. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Programmer, ouais. Ils sont très bien programmés. Ça pourra le faire taffer un peu. Oh, ces chambres qui sont tellement vides. Ouf, quelle tristesse. Bon, je vais pas me casser les fesses à changer la décoration tout le temps. Hein. Je veux dire, ça a été fait, c'est assez. Ça passe, là c'est fille, là c'est garçon, là c'est ado, et puis voilà, on va pas se casser les fesses. Hein. On va pas se casser le cul, hein, si vous voulez. Si vous voulez que je sois un peu plus. Ah oui, elle a un super maillot de bain.
travail de Gabriel commence dans une heure. Ouais, ouais, t'inquiète. Il bosse tranquillement. Tu pourras juste t'habiller après, parce que quand même... voilà. Hein. Juste, on travaille pas sur l'ordinateur en petite tenue. Bon, après, tu fais ce que tu veux, mais bon, là, il y a quand même quelqu'un qui est pas de la famille, qui se trouve à la maison, donc c'est un peu bizarre, ton truc. Alors, Harold, c'était bien? Prends une pose sexy. Taquiner pour flirter. Allez, va la demander en mariage, tant qu'à faire. Après une séance de crac-crac comme ça dans la piscine, dans le jacuzzi, je veux dire, c'est la meilleure façon, hein. Trop chou! Qu'est-ce qu'il fait? S'asseoir ensemble. Ah! 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 Ça y est! Madame est enceinte! Madame est enceinte! Ta 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 ta! Bon, je crois qu'il est encore bugué, le bain remous là, c'est. C'est bugué! Hop! Hop! Allez, on recommence! Baiser passionné! Demander en mariage. Ouais, parce que là, on gagne que 7 simflous par jour. Pas terrible, hein? Voilà. Et voilà, une petite demande en mariage comme ça, tranquille. Ouh, c'est beau, c'est l'amour. C'est l'amour! Ah, oh, trop chaud. Allez, et si on remettait ça? La meuf qui insiste pas du tout. Allez hop, retour dans le bain remous, les enfants. Il vient de se fiancer, c'est parfait. Vive la vie, vive l'amour, vive le sens de l'amour. Va ta fête, toi, je t'ai oublié, mec. Oh, ça va, il commence à 10h, il a juste une demi-heure de retard. Allez, puis on va les laisser quand même faire leur petit truc. En tout cas, il dit... Continue de bosser, c'est parfait. Bon bah du coup Harold, tu vas commencer à cuisiner des choses s'il te plaît. Je connais plus... Ah bah non, tu vas juste cuisiner à partir du frigo. Tu vas nous faire des petites salades du jardin. Je suis pas sûre que t'aies beaucoup de compétences. Ah si, cuisine. Ouais, c'est pas... Ça va. Il y a eu pire, il y a eu mieux, hein. Au moins, tu mettras pas le feu à la baraque, le chien. Pourquoi il aboie? Oh, il a besoin d'attention, ce pauvre chien. Ah, mon petit Loki. Qu'est-ce que c'est, ça? Acheter un coussin pour animaux. D'accord. Faire crac-crac à Louise. Mais tu viens de le faire deux fois! Voilà, c'était très sympa. Ah bah oui, tu m'étonnes. T'es venu, t'as fait crac-crac dans le jacuzzi. Oh, l'eau était bizarre. On t'a demandé en mariage, et puis t'es... Ah, ça y est! Et puis on a refait crac crac et puis maintenant ça y est, Harold sera aussi papa. Eh ben ça promet, moi je vous le dis. Hein. Alors, tout le monde va avoir ses gosses en même temps. En même temps c'est rigolo. Si je peux venir chez elle, alors j'ai envie de dire oui dans un sens parce que j'ai envie qu'ils se connaissent tous, mais c'est plus Heidi qui va venir les voir. À mon avis, avec aussi les enfants. Lui, il est en train de travailler. Tu vas discuter un peu avec les collègues. Ça devrait remonter un peu ta compétence. Lui, obsédé avec son frigo. Voilà. Petit Harold. Il fait sa salade. Il va améliorer ses compétences aussi. Il bosse quand, du coup? Il travaille dans 3 jours. Ah bah oui. On aura le temps de lui faire bosser sa cuisine. Et malheureusement, du coup, comme elle est enceinte, bah, il va falloir que je me sépare de lui. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il me sépare d'Harold. J'aime beaucoup trop ce petit film. Oh, j'ai envie qu'il reste à la maison. Eh ben, va pisser, cocotte. Quelque chose pue. Un collègue en est là à sa 17e heure de travail à partir de... Et à sa 24e boisson énergétique, et ça commence à sentir vraiment mauvais dans le service AQ.
Comme personne ne va pouvoir rentrer chez soi de sitôt, Gabriel a deux options. Dégainer le déodorant pour homme en aérosol ou dire à la boule puante à côté de lui d'aller se laver. Ah non, mais il faut prendre le mal par la racine, hein, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'il doit se laver. Hein. Malheureusement, boule puante n'a pas sa langue dans sa poche et Gabriel a fait les frais. Pendant que boule puante lui inflige une grande diatribe contre lui, les autres testeurs en profitent et enregistrent plusieurs bugs que Gabriel aurait pu découvrir. Perte de performance. Ah! Mais va pisser, cocotte! Tu vas pas pisser dessus, non? Allez, là. Merde! Tirade malodorante. Je suis désolée, Gabi! Gabriel! Hurler sur ses collègues. Ça va le détendre. Oui, Non, mais quelqu'un qui pue au boulot, c'est l'intenable. Hein. Moi, j'en ai une, malheureusement. C'est pas tous les jours qu'elle pue. Mais quand elle pue, hein. C'est une odeur de pas laver, vous savez. On sent qu'il. Non, alors, je sais pas si c'est elle ou si c'est ses fringues. Mais je pense plus que c'est ses fringues qui puent, en fait. Elle les lave pas et elle les remet plusieurs fois. Donc, il y a une odeur de. Ah! Et je veux dire, c'est intenable. C'est vraiment, c'est à vomir. Moi, il y a des jours, je suis au bord, quoi. Je suis au bord de la gerbe et c'est vraiment pas possible. Donc, non, je compatis mon petit Gabriel. C'est vraiment pas facile. Les gens qui puent au boulot. Vraiment. Tiens, détends-toi aussi un petit peu. Tu vas pas hurler pendant 7 heures sur tes collègues parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein. Ça fait pas grand-chose, tu vas discuter avec peut-être? Non. Tu vas révolutionner les concepts? Non. Tu vas travailler normal? Non, ça ne fait rien. Et tu vas travailler dur? Allez, tu vas travailler dur. Courage, Gabriel! Tu finis à 19h, il est... oui, bah il reste encore une grosse journée, une grosse partie de la journée. Je suis désolée pour toi. Oh. Harold, il essaie de lui apprendre à rouler sur le côté. Sur quel petit chat? Ah, elle a enfin terminé son bouquin, elle. T'es temps, hein? Auto-publié. Allez, vas-y. Allez, on roule. T'es vénère, le chat. Oh, Heidi, elle est énorme. Oui! Loki l'a réussi! Bravo! Trop mignon! Tu peux prendre le courrier, hein, sinon. Oh la vache! Elle va exploser! Je sais pas combien il y en a là-dedans. Il y en a au moins deux, hein! Il y en a au moins deux. Elle ouvre son. Avec son ventre, on dirait. Voilà, tout va bien. Ça faudrait. Tu vois, on peut la lancer. Elle est où? Ah ouais, ça retombe. Et... C'est qui l'a fait? Toi, tu la mets dans ton inventaire, Harold. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est la tienne ou celle de ton frère, mais bon. On y est presque, hein. C'est l'un ou l'autre. Je discutais avec ton frère. Je suis pas sûre, il est occupé. Tu sais, tu peux aller retravailler un peu. À écrire. Il y a un livre de genre nouvelle. Allez. Dépêche-toi, comme ça, on gagnera de l'argent un jour. Pendant qu'Harold s'amuse avec le chien, peut-être pour la dernière fois. Hein. Ouais, mais il se roule par terre. Bravo, Loki. Allez, encore une fois. Allez, ouais! Bravo, Loki! Compétence numéro 2 en dressage. Cool. Ouais, maintenant tu vas donner une grosse friandise. J'ai entendu parler de tes fiançailles, félicitations, ça fait très plaisir pour toi et Louise. Bah ouais. On vit pas encore ensemble, hein, mais on est fiancés, vous voyez. Et la petite friandise qui fait du bien. Wouh, 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 wouh! Je me retrouve dans la généalogie encore une fois et. Igor a couché Jonathan et Romain, encore deux garçons. Pour l'instant, on n'a que une seule fille et cinq garçons pour les héritiers.
externe au défi, quoi, au challenge. Oh, voilà. Maintenant, on attend impatiemment Hailey. Et puis en dernier, ce sera Harold qui aura les derniers petits bébés. Voilà, voilà. Donc, Jonathan et Romain, Marc et Hélène, Samuel et Eric. C'est bon tout ça, ça avance. Igor y appelle pour discuter. Oui, mais oui, discutons, Igor. Ah, et donc, les garçons sont nés. Je ne dirai pas par où ils sont passés, mais c'était compliqué, Heidi. Je te souhaite bien du courage. Oh, bah, elle redoit pisser, elle. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi aussi, tu dois pisser? Allez donc. Bon, Gabriel va pas tarder à rentrer. Également du taf. Il est toujours en colère, mais... Même quand il hurle sur les collègues, ça lui fait monter sa jauge. Mais quoi? Elle s'est endormie? Mais what? Mais elle va pas bien, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un scoop. On s'en fout. J'ai pas la foi de bouger de là, sachant que... En plus, Heidi, elle va accoucher, là, donc... Ça va être possible, hein? On attend que ça, mais à mon avis, c'est en pleine nuit. Donc, ça va être en pleine nuit que nous allons avoir les bébés qui vont naître. Croisons les doigts, croisons les doigts. Ouais, Gabriel a ramené 342 Simflouz à la maison. Tu peux faire caca en étant en colère? Ah bah non, tu peux plus faire caca en étant en colère. Mais t'iras faire caca quand même! Mais va manger, cocotte! Oh là là, mais elle a une vie compliquée, celle-là. Hein. Ah, vous vous demandez ce que c'est les jouets ici? C'est en fait, c'est dans l'inventaire d'Harold. J'ai commencé un peu à vider ce qu'il avait. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Il pourra avoir ses enfants, mais... Voilà quoi. Allez, on discute entre frères et sœurs. Voilà, Gabriel est rentré. Il doit taffer le lendemain et il faut qu'il ait joué aux jeux vidéo. Bah, tu vas jouer aux jeux vidéo alors. Un sport incroyable, vas-y. Ça va pas être compliqué à faire ça. En plus, ça va te remonter ton divertissement, donc c'est parfait. Heidi, bah, tu pourras aller te coucher une fois que tu auras mangé, puisque toi, tu vas avoir... Tu vas tellement accoucher qu'après, il faudra que tu viennes réveiller les morphales. Enfin, nourrir les morphales qui vont se mettre à hurler, bien sûr. Bon, on a hâte, hein. Moi, j'ai très très hâte, là, de savoir quels sont les zigotos qui vont sortir du ventre. Garçon-fille, fille-garçon, fille-fille, garçon-garçon. On ne sait pas. C'est le suspense. Ouais, vas-y, Harold, va promener le chien, parce que là, il est un peu tristoun. Peut-être qu'il n'en reviendra pas de sa promenade, le chien, qui sait. Maintenant, j'ai peur, hein, depuis que Louis, il avait été le promener, et que quand ils sont rentrés de promenade, Louis, il a claqué direct. J'avais eu peur pour Cybèle une fois qu'elle allait le promener, mais bon, ça a été. Mais là, c'est peut-être le chien qui va y passer. Bon, quand tu veux, du coup... Faut accoucher, hein. Là il est tôt, mais on va pas demander, hein. Moi, nous on veut pas que l'épisode il se termine sans que tu aies accouché, qu'on sache les marmots, à quoi ils peuvent. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est que ces marmots, quoi. Donc Gabriel, il a fait ses tâches du jour pour le boulot, il mangeouille, il va essayer d'identifier cette plante là qu'on avait récupérée au truc là, comment ça s'appelle? À Granite Falls. Alors il y a aussi tous ces machins là, il y a les fleurs et les trucs. Voilà, on vend. Ouais. Ok, à compétence herboristerie, Gabriel n'a aucune idée de ce que cette plante développée à compétence herboristerie. Elle aidera. D'accord, mais comment on développe l'herboristerie? Je ne savais pas que c'était une compétence, je la découvre. Peut-être est-elle arrivée seulement avec le truc de Destination Aventure, là, enfin le truc Granite Falls, mais je sais pas, j'ai jamais essayé de... De comprendre, de faire quelque chose. Alors Harold, comment va le chien? Ça a l'air d'aller. Tu es beau Harold, tu es beau. Est-ce qu'il aboie à cause de trucs dans les forêts? Ça pourrait être rigolo ça s'il y avait des bestiaux dans les forêts. Les trucs des rats.
Les trucs bien dégueulasses. Remarque, il y a déjà des rats dans les apparts, hein, donc pourquoi pas. Oh, Timidou! Gorbache, c'est bien sûr, et Ali. Oh punaise, il y a la blinde de chat. Hein. Pas des petits chats de merde, hein, attention. Les bons gros chats, c'est deux fois le même en fait là. Ouais. Ah non, lui il a le museau plus écrasé. Mais au niveau fourrure, c'est un peu la même chose quoi. C'est bien. Creuser, envoyer l'animal explorer. Ah ouais. Compétence 3 de dressage, d'accord. Et tu ne les as pas. Félicité. Non, t'as pas besoin de féliciter ton chien. Une petite plante poubelle. Magnifique. Voilà quoi, on se balade tranquillement en attendant que Madame Heidi se décide à mettre bas. Ouais, bah écoute. Non, tu sais ce que tu fais, toi? T'es encore en forme. Vas-y, sors de l'eau. Enfin, sors de la baignoire. Tu vas nous faire une petite course, un petit. Ouais. Ça va te faire du bien d'aller courir un petit peu. Hein? Ça fait toujours du bien d'aller courir un petit peu. Enfin, je dis ça, mais je le fais même pas moi. C'est autre chose, hein? Entre les Sims et nous-mêmes, il y a des mondes différents. Ah, Igor! 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 Pff, Harold! Et vous m'avez même pas repris? Vous m'avez pas dit. Mais j'ai pas Igor, c'est Harold! Bah oui, c'est Harold. Le beau Harold. Harold! Le plus beau des Sims! Par contre, la mise au point, elle se fait sur le décor et pas sur lui. Ah, quel beau mec. Ouais, je suis un peu grave avec mes Sims, hein, quand même. Je vous l'ai déjà dit, il y en a comme ça, ils me tapent dans l'œil et puis je m'attache beaucoup et puis c'est comme ça quoi. Qui sait, peut-être qu'on reverra Harold dans une autre vie, dans un autre let's play, qui sait? Sachant que je vous rappelle, la famille elle est disponible sur mon Origin, sur la galerie. Il faut bien sûr activer les contenus personnalisés puisqu'il y en a. Et vous la trouverez pas. Et vous pourrez du coup jouer avec n'importe quel Sims que vous voulez. Et donc moi aussi je pourrais récupérer le petit Harold si j'en ai envie pour pouvoir l'utiliser, lui faire sa vie. Une autre vie peut-être en parallèle. Tiens, salut! Qu'est-ce que tu fais? Oh bah je cours et toi? Ah bah moi je promène le chien. Oh les pigeons! Trop cool. Les jompies! Les jompies! Bon je veux pas dire mais ça va le faire là. Si elle doit pisser. D'ailleurs je vais l'envoyer tout de suite pisser. Oui, attendez, 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 attendez. Prenons le temps de prendre le temps. Voilà, elle a fait son petit pissou. De toute façon, je crois que c'est à quasiment 4 h du matin, donc. Vous inquiétez pas, on se quittera là-dessus sur la naissance. Pensez à un membre de sa famille. Mais elle pense à qui? Bah écoute, vas-y. C'est nouveau, ça, c'est rigolo, hein. De penser à un membre de sa famille, c'est marrant. Ça fait un peu plus vrai, on va dire. Doucement, doucement, doucement. Ta-la-ta-ta, 3 h. Parce qu'en fait, en vitesse. On a l'impression d'y être, mais on n'y est pas. Alors. C'était même à 3 h 50, 55 ou 58, je sais plus, un truc comme ça. Attention, on va y arriver. Et voilà! Allez hop, avoir un bébé, c'est parti, mon kiki! Allez, allez, on accouche! On accouche! Heidi! Heidi how! Les premiers bébés! Les premiers bébés! Oh, une... je voulais faire un truc sympa avec les murs, mais. Ah! Alors, il y a un petit bug dans sa tenue, mais c'est pas grave. I don't want Nubu. Mais si tu veux des Nubu. Allez! Eh ben, c'est un garçon! Alors, nous avions arrêté. Avec les lettres à Igor, donc on peut soit on reprend à I, soit on passe directement à J. Mais comme Igor était quand même un héritier potentiel, nous allons donc commencer à J. Et pour les garçons, on a Joris. Je vous rappelle, c'est toujours des noms à consonance germanique, d'origine germanique, je veux dire. Donc voilà, nous avons Joris et nous avons.
Là, je suis dégoûtée. Là, les enfants. Voilà. On était censé avoir des jumeaux. C'est pour ça que je m'étais dit qu'on faisait que deux grossesses. Comme ça, on aurait quatre. Et ça n'a pas fonctionné. Gabriel, réveille-toi. Ne panique pas. C'est pas grave. Vous allez remettre ça direct. Nous avons Joris qui est né. Et bah, c'est pas grave. Vous allez refaire ça. Mais arrêtez de vouloir ranger, là. C'est... Non, non, mais c'est pas grave. Tu... Je suis... Franchement, mais c'est quoi ce délire? C'est parce qu'elle a pas été là tout le temps dans la maison quand elle était enceinte. D'ailleurs, vous avez remarqué que il était encore... Il y a Igor. Oh putain, le chien, il est bleu. Le chien, il est bleu, il est malade. Igor, il a eu des jumeaux. Mais... C'est... Oh non, je suis dégoûtée, là. Allez. Non, mais je suis dégoûtée, là, c'est bon. J'ai mis des trucs alignement cosmique et tout, j'en ai marre, ça fonctionne pas, c'est de la merde. Les autres, ils ont accouché ailleurs, ils ont eu des jumeaux. Nous, on accouche ici, qui est censé nous donner des jumeaux. On n'en a pas. Bref. Allez, dépêchez-vous, là. Allez. Allez, allez, c'est bon. Oh, mais putain. Allez, faire des gosses, quoi. Allez, où? Non, c'est elle qui a pas voulu. Bon, le chien, ça va pas du tout. Mais ce sera pour plus tard, parce que là, je n'ai pas envie de me prendre à la tête. Je suis déjà dégoûtée. Parce qu'on a eu qu'un enfant au lieu de deux. Et c'est l'arnaque, encore une fois, du siècle. Merci les Sims. Parce qu'on va reprendre... Hein, juste pour information, si belle. Voilà, deux, vous pariez combien que la petite Louise, elle en est deux aussi, hein. Et nous, on en a qu'un. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ça m'énerve. Allez, finissez votre truc. Est-ce que, je sais, je crois qu'ils ont fait crac-crac quand ils étaient à Granite Falls. Mais même... possibilité de jumeaux. Mais va te faire foutre, meuf. Toi, tu viens même pas d'en avoir, des jumeaux. Allez, hop, vous remettez ça direct. Hop là! Parce que je sais que je crois que je les ai fait faire à crac-crac et faire un bébé à Granite Falls, mais bon, pour moi, si c'est à la naissance... Enfin bref, voilà, je suis dégoûtée, c'est pas grave, on a eu notre premier nez. Et on verra pour le prochain épisode ce qui se passera. Ok, doucement, doucement les enfants. Bon, mais merde, vous me cassez les pieds. Changer la couche et tu vas dormir. Et toi, tu vas dormir aussi. Voilà, allez, et arrêtez de vouloir ranger. Va dormir, Gabriel, parce que là, t'es pas en forme, il faut que t'ailles bosser après. Toi, tu t'occupes de ton gosse. Oh, je suis autant dégoûtée que... Quand Cybèle, elle a eu Frida en alone, quoi. Attends, cocotte. Vas-y. On fait un petit test de grossesse avant, là. Comme ça, on va gagner du temps. C'est-à-dire que Joris, il est né à 4h du matin, et à 8h du mat, on aura la confirmation en 4h qu'elle est de nouveau enceinte. Du moins, je l'espère, parce que là, ça me... Hein, ça me court sur le haricot. Ouais, super, allez, va dormir. Non, mais c'est bon. Dors, c'est bon. C'est bon. Hein, c'est pas comme si vous aviez fait deux fois... Oh, le pauvre chien. Bon, bah allez, il me casse les couilles, là, à faire la vitesse accélérée. Moi, c'est là-dessus que je vous quitte. J'espère que cet épisode vous aura plu. Partagez avec moi la frustration. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine. Oh, il m'énerve. Pour un nouvel épisode de Glee to Beauty Legacy Challenge. Allez, salut.